vous allez bien? Et on se retrouve pour le deuxième épisode sur Yoki Watch 4. Donc oui, pour ceux qui sont arrivés là lors du deuxième épisode et qui n'auraient pas vu le premier, on vous rappelle qu'on fait des traductions de tout le jeu, mais que bien évidemment ce ne sont pas les phrases telles quelles que vous pouvez trouver dans le jeu, c'est du approximatif qui permet juste de comprendre ce qui se passe. Du coup on s'était arrêté devant Mont Sylvestre. Voilà, et là on a découvert un petit chauve qui peut. Un chauve qui peut. Oui, on connaît. Normalement c'est pas un chauve qui peut qui reste dans notre armoire et qui bouge pas de là. Normalement si. Pouf. Ah, ok. Salut. Encore une fois. Ohé. Je suis désolée, je sors pour la première fois depuis longtemps. C'est à cause de cette chaleur. J'ai pas ma place ici, je devrais pas être là. Il y a beaucoup de yokai étranges par là-bas, du coup je me suis cachée. Pourquoi un chauve qui peut toujours cacher dans les maisons serait ici? J'ai entendu parler d'une histoire au Mont Sylvestre, je crois. Alors, je crois qu'en fait, il y a un truc qui s'est passé avec le Bingo Ekai, il a parlé de gacha. Il y aurait une rumeur selon laquelle il y aurait un gros jackpot disponible dans le gacha à un prix super rare. Ok. Quoi? Un lot très très super rare? Mais il y a beaucoup de rivaux, enfin, en gros de yokai qui font une queue, enfin des personnes qui essayent d'obtenir aussi l'objet. D'accord. Devant, du coup, je dois abandonner. Ah oui? Tu abandonnes tout seul? Je crois que ça intéresse Whisper, cette histoire de Bingo Kai, hein, avec ce jeu super rare. Comme dit Whisper, allons-y ensemble. Si vous y allez ensemble, j'aimerais bien me joindre à vous. Ah, ok. Forcément, j'aimerais bien me joindre à vous. Bah oui, forcément. Oui. Du coup, c'est le premier yokai qu'on recrute de cette façon. On va quand même l'appeler Chauve qui peut. Tu veux l'appeler avec son nom français? Ouais. Okay. Bon bah du coup je crois qu'il va s'appeler Chauve-qui-peut. Ça ne rentre pas, tant pis. 8 caractères maximum quand même, voilà. C'est beau, hein. On fera comme ça. Bon du coup vu qu'on a eu un nouveau yokai, je pense que ça nous montre un petit peu comment on peut les interchanger. Ah, oui, on peut au les niveau switcher. Des combats. Parce qu'on n'est pas obligé de contrôler Nathan, mais on peut contrôler Jibanyan, on peut contrôler bah du coup le Chauve-qui-peut. Oui, les yokai qui sont avec nous dans les combats. Donc il faudra qu'on essaye de faire ça, de switcher un petit peu entre les yokai. Bon après pour le moment on a un Chauve-qui-peut, c'est pas non plus... Bah j'ai envie de te dire que c'est mieux que rien. Dans cette version ça m'amuse de ramasser tout ce qu'il y a par terre. C'est aussi le yokai qui est censé être le plus riche du jeu il me semble, hein. On l'a vu ça. Ouais c'est vrai, c'est le yokai avec la limousine. Eh mais attends, vu que voir au Mont Sylvestre, il y aurait pas... En plus on va au Bingo Kai. Ouais là c'est le Bingo Kai je me souviens. Ah bah la fameuse queue dont tu nous parlais là, il y a plein de monde. Est-ce qu'on va réussir à pouvoir s'en servir? Excusez-moi, je voudrais vous poser une question. Vous êtes ici pour quoi exactement? Ça fait trop de questions. Il semblerait qu'une nouvelle montre ait été ajoutée comme jackpot au gacha. Quoi, une nouvelle montre? Sérieux? Pas d'autre choix, on fait la queue. Il semble qu'encore personne ne l'a eu. Ah, mais alors on a toutes nos chances. Whisper, il est trop à fond, laisse tomber. What? Bah oui, c'est Jibanyan. Quel est ce bruit? C'est quoi? Oh, des bakou. Alors, je sais pas si t'as fait attention, mais il y a des yokai tout endormis tout autour. Ah oui. Et en sachant que c'est des bakou, je crois que ça parle de triche. Je crois que le corneau est en train d'accuser en fait les bakou d'avoir endormi les yokai pour éviter qu'il y ait trop de queue. D'accord, je comprends. Et tu vois, du coup, c'est en train de faire une histoire. Ouais, c'est ça. En fait, le Baku, il aimerait endormir tout le monde. Comme ça, il n'y a plus personne devant le gacha et... Comme ça, il pense que c'est eux qui vont avoir le gros lot, voilà, en fait. C'est ça. J'ai encore réduit tous nos rivaux, tu vois. Ouais, d'accord. Il est en train d'enlever tout le monde. Ce n'est pas la bonne façon de faire du tout. Ah. Ouais, ils sont tous en train de l'embrouiller. Ouais, c'est vrai, quoi, ça. Je crois que c'est en train de créer une bataille générale, là. Bah, du coup, on va combattre, voilà. Ok, alors du coup on va peut-être pouvoir tester le switch. Oh, j'ai pas vu s'ils ont dit qu'il y avait un bouton pour switcher le yokai. J'ai juste vu une touche. Ah, j'ai juste vu une flèche. Par contre, il me semble que les trois combattent en même temps, tu vois. Tout le monde combat en même temps. Enfin, pour le moment, vu qu'il y a trois yokai, je sais pas, on a que deux yokai, donc il peut y en avoir que deux sur le terrain. Tu vois, il parle de flèche et de bouton R, hein, accompagné d'un bouton R. Et tu peux aussi faire comme ça. Raccord. Ok, j'ai trouvé comment changer de... Alors, là tu as vu sur le côté, t'as des boutons pour les attaques, hein. Ouais, j'ai trouvé comment changer de personnage, hein. Ça c'est plutôt cool, par contre j'ai banni, il est pas mal fort en fait. Ah ouais, en fait, pour changer de personnage, c'est juste la flèche là en haut. D'accord, ok. Tu vois, et ensuite t'as Nathan juste ici. Par contre, c'était quoi son truc pour aspirer l'énergie? Ah oui, c'était ça. J'espère qu'il va y avoir plus de combats que ça dans le jeu, parce que...
On est niveau 3. Ça commence à craindre. C'est vrai que ça fait déjà 40 minutes qu'on joue, ouais, à peu près. On n'avait pas prévu ça. Bah ouais, je crois aussi. C'est bon, vous avez un peu de remords? On avait tort. On rêvait de cette montre et on en a fait un peu trop. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Et du coup, vous êtes désolés? Ouais, ouais, ils sont désolés. Tu vois, ah ouais, on devient amis avec nous, avec eux. Ils ont été touchés par ce qu'on a fait et tout, et du coup, ils veulent se joindre à nous. Ils ont même dit, faisons la queue ensemble. Bah du coup, nous, maintenant, on pourra devenir tout le monde. Du coup, maintenant, on a surtout 4... 3 yokai, on va aussi l'appeler Baku, tiens. Bah Baku, c'est 4 lettres, t'as la chance. Ouais, ça hein. Va, ça rentre. Ah. Oh cool, une petite épée. Ah, à mon avis, ça s'équipe sur Nathan, ça. Ah, peut-être. Ou alors yokai. Sur un yokai. Bah attends, on verra après. Je sais pas. Allez, ouais, faisons la queue. Pas. Ouais, allons faire la queue. Ça, ouais, tu vois, du coup, c'est quelque chose qui s'équipe. Ok, donc du coup, c'est alors, sur Nathan. Ouais, pour le moment, ça a l'air d'être sur Nathan. Mais peut-être que plus tard, ce sera sur quelqu'un d'autre. Par contre, je me demande si on peut l'équiper. Alors, si t'as on vu, peut si l'équiper directement d'ici. Voilà. Ah, on peut le mettre, on peut le mettre aussi à Yokai. Hein. Je pense qu'on va le mettre à Nathan pour le moment. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Ouais, alors, par contre, Inexus. Hein. Je suis désolée, hein, mais je peux pas. Je n'y arrive pas. Allons faire la queue. Ça semble être la fin de la queue ici. Oui, on n'a pas trop le choix, on va attendre derrière tout le monde, quoi. Ah, oh, c'est vraiment trop long. Eh, c'est bientôt à nous, en plus, mec. Ah oui. C'est à toi. Allons faire un tour de Gacha. Oui, de Bingo Kai. Mais du coup, ils le traduisent comme Gacha, parce que ça se dit comme ça au Japon, je pense. Allez, vas-y, il y a tout le jackpot. Attrape la montre. J'y vais. Du coup, on va vraiment faire un petit tour de Bingo Kai. Ah, il y a notre premier Bingo Kai, celui qui va se calmer. Ah, mais on n'a pas mis de pièce. En fait, c'est. Non, en fait, je pense qu'on est obligé d'avoir. Oh, une clé arc. Du coup, c'est pas le gros loup en fait. Bah, je sais pas, si, peut-être. Ah, ou une clé arc. Oh, je crois qu'il est dégoûté. Mais. Ouais, je crois qu'ils sont tous dégoûtés. Ah, c'est pas le premier lot. J'ai l'impression qu'il a pas eu le premier lot. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Une personne peut faire le gacha une fois. Allez refaire la queue si vous voulez jouer. Oh, désolé. C'est vrai, en plus. Oui. Enfin, surtout dans ce genre de circonstances. À mon tour. Je te jure. Ouais, je pense que eux, du coup, ils vont aller jouer tranquillement, ils vont aller faire leur petit truc, et s'ils ont pas fait leur lot, du coup. Souvent, ils me paraissent déçus. Bah, en même temps, je pense qu'ils s'attendaient pas à ça. On avait dit une montre, et là, il a une clé, tu vois. Cette clé, ça ressemble à un échec, quand même. C'était pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient, quoi. Je crois pas, non. Oh ? What ? Oh, un chien bleu. Mignon ! Un chien ? Il est trop mignon. What? C'est celui de la démo, enfin je l'avais déjà vu. Peut-être qu'il me demande de me suivre, de le suivre. Ouais, je pense qu'il faut le suivre. Ok. Eh, attends! Oh, il est trop mignon! Par contre, ça se voit tellement mieux, les espèces d'objets, par rapport à avant. C'est pour ça, en fait, que du coup, je les ramasse tous sur mon chemin. Attends, mais elle est trop stylée, la traînée qui laisse. Mais il est grave. Trop stylé, ce chien. Franchement, c'est les quoi, petites ça? Animations, c'est hyper beau. Oh! What? Oh, ils appellent ça une Tobila. Je m'en souviens, ils appelaient ça tout le temps comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah, je vois. Il a disparu. J'ai une clé. Ouais, c'est une clé. On a une porte. Enfin, il a une clé, une porte, c'est une porte, c'est normal. Ça ressemble. Bah... What? Oh. What? Il a dit quoi, là? Il a dit, il a crié. Il a dit son nom, en fait. Enfin, c'est... Mais est-ce que c'est... Hein? Je dois pas me laisser surprendre. Attendez une minute. Non mais, attends. C'est pas un grand... C'est pas un grand papetit, ça? Bah, ça a l'air d'être un... Je crois qu'en fait, il dit manger, il dit j'ai faim, tu vois. Bah ouais, c'est... Ça ressemble à un grand papetit, en fait, hein. Grave. Je crois qu'il dit la faim.
Je suis désolé. Viens. Viens, Jibanyan. Viens, Jibanyan. Le pauvre Jibanyan contre ce truc, quoi. Non, mais sérieux. Quelque chose ne va pas, je crois. Quelque chose ne va pas. Vas-y, Jibanyan. Je sais pas si c'est ce que je devrais faire. Oh, y'a plein de combats. Ah, ok, il y va quand même. Ah, ouais, il y va quand même. Bah, en même temps, y'a pas trop le choix là. Je pensais qu'il allait fuir, genre il allait manger une glace et se rendre quelque part. Allez, salut. Démerde-toi avec ton grand papy qui vient d'ailleurs. Alors, du coup, on a plein de nouveaux yokai. Bah, écoute, non, mais c'est pas le plus. Oh. Oh, tu veux. Oh, la force G. Il a les forces G, ouais. Je sais pas si c'est les âmes ultimes. Mais ça m'a l'air d'être plutôt force G. D'ailleurs, on nous a dit de bien lire les mécanismes de Yukawashi parce que c'était pas du tout les mêmes que ceux d'avant. Sachez qu'en fait, on les garde en vidéo et nous, de notre côté, après les vidéos, on les re-regarde et on essaye de traduire. On va pas trop s'attarder sur ce genre de mécanismes. Donc, c'est dommage pour nous. Alors, par contre, fais attention à ton mana parce qu'à chaque fois que tu attaques, tu dépenses du mana. Donc, si t'en as plus, il faut que tu ressortes ton mana. Je me demande. Attends. La vie, c'est au milieu là, le truc rouge. Ouais, il faudrait déjà réussir à viser. Alors, par contre, là, c'est pour tirer, c'est pas pour attaquer. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère le système de combat de Touch 4 que les 3 autres yokai. C'est totalement différent en fait, ça n'a rien à voir. Mais personnellement, je préfère ce mode là. Ouais, c'est un truc de fou, comment ça a rien à voir. C'est qui l'a battu? Tu l'as fait comme prévu, Jibanyan. Vous vous amusez bien. Bah, t'étais où toi? Whisper, depuis combien de temps tu es là? Bien que tu ne sois pas très utile, tu aurais pu aider. Wow. Le pauvre, il s'en prend plein la tête à chaque fois, même dans Yukawashi 4, ça n'a pas changé. Il est encore temps pour du riz? Ouais, il a rechangé. Ouais, c'est bizarre. C'est réel ici? Oh, du riz! What, c'est quoi ces yeux trop chelous? Il fait peur, c'est pas les yokai qu'on a connus, ça nous, hein. Oh, bah il est parti. Ouais, il a l'air d'être parti. C'était qui, ce yokai? Attends, je regarde. Bien sûr, on va voir, attendez une minute. Ouais. Je crois que personne ne sait ce que c'est. Elle ne s'ouvre pas. Est-ce que... La porte était ouverte à un moment. Et cette clé? La clé? Peut-être. Hey, c'est ce qui est sorti du gacha, c'est cette clé, non? Ouais. Essayons d'ouvrir la porte avec ça. Mais on ne sait pas ce qui nous attend si on l'ouvre. Ouais... On dirait qu'elle est attirée par cette porte. Ouais, vous voulez. Ouais. Ouvrir. Ouais, que. Ouais. Ça donne pas du tout confiance en fait, moi je dirais pas du tout, mais bon. C'est ouverte? Quelqu'un a parlé? Ouais, c'est ça. Allez, Nexus, entrons, Nia. Ok. Ouais. Elle est belle la cimetière. C'est trop stylé. Où est-ce qu'on est? Il a dit on est désolé. Il me semble que c'est le monde humain. C'est le parc, non? Ouais. On dirait. Oh non, la porte. Je me demande dans quel genre d'endroit j'aimerais aller. J'étais si excitée, Nia. Allez, revenons en arrière et allons manger.
La porte. Comment trouver un moyen de rentrer si c'est fermé? Qu'est-ce qu'on doit faire? On est bloqué ici. Je crois qu'il a dit à un moment donné, Whisper, qu'il sentait qu'il allait avoir quelque chose qui, a... enfin, quelque chose qui allait pas. Je crois que j'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? J'en ai aucune idée. Ah, c'est qui? What? Ah, ça va, ok. Petit. Ok. C'est qui? C'est Triptych de la forme Shadowside, là? C'est Triptych, ouais, dans sa forme pas normale. C'est... Ok. C'est pas Triptych comme on l'a connu, c'est notre premier boss. Attends, mais tu m'as laissé ça alors que moi j'ai fait qu'un seul combat depuis le début du jeu. T'inquiète, tu gères. Comme ça, je gère. T'es super fort au combat. C'est Triptych, n'oublie pas. Donc il a ses yeux. À mon avis, il y a un moyen de tirer ses yeux ou quelque chose dans le genre. Et tu vois, quand il te touche, à mon avis, tu deviens un bonhomme de pierre. Ouais. Oh. Quoi, ah mais en ça fait on le bat pas. Ah mais moi j'étais partie dans une technique du turfu et tout. Genre lui arracher ses yeux et... Quoi? C'est qui? Allons-y, équipe de détectives fantômes. Ils sont trop stylés. Oh c'est... Oh la New Kay Watch. Une New Kay Watch. Elle est trop bien cette New Kay Watch. Je crois qu'elle lui dit de venir à... Le Bobby s'est fait embarquer dans un truc là. Je crois qu'il est en mode Ok, du coup là on va être plus fort, attends. Ouais, du coup en fait on se bat avec eux. En fait c'est... Ok, parce que j'ai regardé un petit peu la série Shadowside. La personne c'est Natsume, je vais pas dire son nom de famille. C'est Natsume, ensuite tu as Akinori et tu as Touma. Voilà, ça fait Touma ou Thomas, je sais pas hein, comment il se dit l'autre. Mais en tout cas c'est eux. Et visiblement, c'est une équipe de détectives, ce qu'ils se sont appelés équipe de détectives fantômes. Donc, à mon avis, la bonne technique, c'est de tirer son œil. Hein. C'est comme dans Yu-Gi-Oh! Watch 1, 2 et 3. En fait, c'est le fait de viser, ça me force d'aller sur sa bouche, mais en fait, j'ai pas envie. Et je sais, je veux pas les trouver. Mais il faut apprendre à viser. Bon, après, c'est le premier boss, donc. Vas-y, essaye de tirer son œil, maintenant. Avec ton mana. Ah, je crois que j'ai fait des dégâts. Ouais, mais à mon avis, tu lui fais plus de dégâts quand t'es sur son œil. Mais à mon avis, il y a moyen de le stone, tu vois. Je pense. De le mettre en mode il bouge plus. Mais pour ça, je pense qu'il faut lui tirer son œil avec le mana. Ah, c'est bon. Ouais, là, t'es en train de lui tirer. T'étais en train de lui tirer son œil, du coup. T'as des objectifs qui se mettent direct pour te soigner comme ça? Comment ça se fait qu'il te soigne aussi vite? Je sais pas. J'ai pas appuyé sur. Y'a quelqu'un qui te soigne, c'est Baku n'est pas un soin? Non, je crois pas. Mais peut-être un de mes alliés, tu sais, qui sont venus ouais, là. C'est peut-être. Y'a peut-être des soins là, t'as vu, j'ai récupéré de mana. C'est peut-être eux. Parce que c'est bizarre que tu récupères de la vie comme ça. Par contre, ça me dit que j'ai baigné une tour, ils sont tous au max, ok. Attends, il faudrait que je me rapproche pour qu'il te soigne sur mana, parce que j'ai plus de mana. Ah, c'est ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Ah, du coup, elle a tiré son œil ailleurs. C'est chaud, ça va tellement vite. Du coup, on joue qu'avec Nathan parce qu'on prend pas le temps de jouer avec les autres. Attends, je vais prendre. Ouais, c'est. Ah, okay, c'est pas ouf, hein. On a la chance de faire qu'il peut beaucoup et j'imagine. Ah oui, lui il peut faire les trucs. Ouais, je vais essayer d'activer la force X. La. Ouais, la force mode G, tu vois. Ah, mais c'est un peu comme dans Gage Buster en fait, c'est. Quand il se met en forme G et que du coup il tape plus fort. Ah, oui, je pense que c'est ça. Allez, bon, on a réussi à l'avoir, mais on était 5 dessus parce qu'il y avait aussi des alliés qu'on a croisés tout à l'heure qui, ouais, qui nous ont vraiment aidés. Hein. Ouais, je pense qu'ils faisaient des dégâts en même temps que nous. On a fini. Hey, c'est une montre yokai. Après tout,
Tu es mon... Père ? Père. Quoi ? T'es What ? What ? Pourquoi il y a le générique d'un coup ? Pourquoi il y a le générique ? Je vais couper. Et attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire par papa ? Désolé, c'est un peu la panique hein, de le dire comme ça. Pourtant, c'est facile à comprendre. Ok. Ok. Pourquoi il y a des trucs qui arrivent comme ça dans ce jeu ? Il n'a pas tenu le bar ! T'es qui ? En fait. Cette mission. Je m'appelle Michi. Ouais, vous dites bon, il s'appelle Michi. Ok. What ? Mais il est trop bizarre. Hey, Michi ! C'est un monstre qui a été libre. Ah ! J'ai compris. C'est un monstre qui a été libéré du pouvoir du mal et a retrouvé en fait le cœur de la justice. Alors, c'était triptyque en fait. Ah ok, oui c'est pour ça, d'où le costume. Mais oui, en fait c'était triptyque mais en forme shadow side et là il est en forme light side. Hein. Bon ça en fait on l'apprend, les formes shadow side et light side on l'apprend beaucoup plus tard. Mais vu que j'ai regardé, enfin que je vois Puni Puni du coup voilà. C'est... Ah quoi ? Le pauvre il comprend rien en fait. Voilà il est en train de comprendre que en fait c'était comme le grand papéki. Oui, oui, forme, avec la forme, une espèce de forme méchante et une forme gentille, en fait. Ouais, et là, du coup, ils nous font tout regarder tout autour de nous, tu vois. Parce que Whisper, en fait, c'est la même chose, et Jibanyan, c'est la même chose. Hé, hey, t'es qui, toi ? Et là, c'est toi, t'es qui ? Oh, Jibanyan. Il est en train de dire Nia, qu'est-ce que j'ai attrapé ? Enfin, il pense que l'autre Jibanyan, il a eu un cancer pour devenir comme ça. Enfin, c'est pourquoi t'es comme ça, tu vois ? Enfin, non. Du coup, lui il regarde sur lui, il fait bah non, je vois rien, tout va bien. Tu vois le pauvre. Mais je comprends pas. Il y a des yokai comme Jibanyan et Whisper. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ce gamin va bien ? Il a l'air confus. Eh ben... Expliquons-lui. Je pense que oui, ce sera mieux, oui. En fait, si on y réfléchit, tu ne sais rien de nous. Oui, ça a l'air. C'est exact. Ouais, je pense qu'en fait, elle lui dit, vas-y, je vais tout expliquer. Ah, ok. Ah oui, oui, c'est ça. Okay. Elle lui a dit je vais tout expliquer et en fait il va falloir parler à toutes les personnes pour apprendre qui ils sont et... Et comprendre et démêler un petit peu cette histoire. Pourquoi on est là ? C'est voilà. Génial. Bon bah je crois que la prochaine fois on va devoir parler à toutes ces personnes en fait. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus si vous avez apprécié l'épisode. Et désolé encore parce qu'on loupe certains dialogues, ouais. Mais c'est parce qu'on n'a pas réussi à les traduire, on a eu voilà. Un peu de mal à ce moment-là. Quand il y a des dialogues qu'on loupe un petit peu, en fait, c'est parce qu'on n'a pas réussi à les traduire, je pense que vous devez vous en douter. T'as mais... vu qu'il y a une boîte jaune. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'allais la voir. Mais globalement, je pense que vous avez quand même compris le principal de ce qui se passait, oui, oui. Et au final, c'est notre but qu'on veut faire dans UK Watch 4. Donc, je suis trop pressé de faire la suite et comprendre quel personnage fait quoi et pourquoi, tu vois. J'ai trop envie de savoir. Oh là là. Du coup, je vous rappelle le rythme de diffusion. On se retrouve tous les deux jours parce que c'est pas possible pour nous de faire une traduction le jour, enfin chaque jour si vous voulez. Donc, du coup, on se retrouve lundi. Voilà. Allez, gros bisous. Allez. Tout le monde. Salut, ciao, tout ciao. Monde.